Comment éclaircir le temps en 14 jours avec la gamme Françoise Vuitton? Cette question m'a été posée par Cynthia, par une abonnée à moi. On m'a aussi posé la question de savoir comment choisir sa gamme en fonction de son type de peau. Comment les utiliser sur une peau normale? Et quels sont les effets secondaires après avoir utilisé les produits de chez Françoise Vuitton? Voilà en quelque sorte les questions que je vais répondre à travers cette vidéo. Et si tu restes jusqu'à la fin pour ne rien manquer, et rendez-vous dans les commentaires pour me donner ton point de vue si tu as déjà eu utiliser ces produits et quels sont les effets secondaires que tu as eu et quels sont les points positifs aussi que tu as eu à travers ces produits-là. Donc voilà, rendez-vous dans les commentaires. Déjà, Cynthia, tu devrais savoir que la gamme Françoise Vuitton contient en elle-même 6 gammes. À ce que je sache, en fait, il y a la gamme Royale, la gamme Puissance, la gamme Carotte, la gamme Caviar, la gamme Suprême et la gamme Énergie. Toutes ces gammes-là, tu vas me dire, c'est tellement beaucoup, mais il y a chaque produit joue un rôle en fait sur la peau. Donc ces produits sont fabriqués uniquement pour les peaux mixtes et les peaux foncées. Déjà, Cynthia, tu devais savoir que la gamme Royale, par contre, elle cible beaucoup plus sur les taches brunes. Elle les éclaircit, elle donne de l'éclat en fait, et maintenant elle élimine les cicatrices qui sont sous le corps. Quand je dis éliminer, c'est pas comme ça va enlever toutes les cicatrices qui sont sur le corps. Elle va juste la nettoyer, là, et l'éclaircir un peu moins visible à l'œil nu. La gamme Carotte, elle, par contre, joue presque le même rôle, juste qu'elle protège contre le soleil, entre guillemets, en quelques pourcentages, juste, et elle élimine aussi les taches brunes de la peau. Tu vois, donc elle joue presque le même rôle avec la gamme Royale. La différence, c'est que celle-là protège contre le soleil, contre les agressions du soleil. Vous voyez un peu. Maintenant, la gamme Puissance. La gamme Puissance, elle, par contre, elle vient juste éclaircir le teint. Elle donne de la souplesse au corps et elle donne de l'éclat au visage aussi. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu ce que la gamme Puissance fait. La gamme Caviar, elle, par contre, elle est là juste pour la souplesse du corps, l'élasticité et l'élasticité, en fait, du corps parce qu'elle contient du collagène. Et puis, elle ne fait pas grand-chose aussi. Elle éclaircit un peu le teint. Maintenant, la gamme Prime et la gamme Énergie jouent presque le même rôle. Elle élimine les cicatrices de la peau, taches de vieillesse, taches de grossesse et les taches dues au soleil. Là, c'est la gamme Prime et la gamme Énergie. Maintenant, là, c'est la gamme Suprême que je suis en train de parler. La gamme Énergie est presque pareil, juste que la gamme Énergie contient de l'aloe vera. Donc, pour ceux qui sont tellement fans de l'aloe vera, je vous conseille la gamme Énergie. Pour ceux qui ne sont pas fans de l'aloe vera, je vous conseille de prendre la gamme Suprême. Là, les deux produits, je ne les ai pas utilisés. Donc, je ne peux pas mettre mon point de vue dans ces deux produits. Je ne sais pas si l'un marche ou l'un ne marche pas. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Vous voyez un peu. Maintenant, donc, je vais détailler les deux produits en question. C'est maintenant quel produit utiliser sur ton corps. Qu'est-ce que tu veux en fait? Quel résultat tu veux? Maintenant, ces produits en fait ne contient à tout type de peau. Il n'y a pas un produit qui est là pour les peaux sèches, les peaux abîmées, les peaux ceci. Elle contient à tout type de peau. Maintenant, tu vas me dire, est-ce qu'on peut les appliquer sur le visage? Moi, par contre, je n'ai pas de problème avec les produits. Tu les appliques sur le visage sans problème. Mais pour ceux qui ont des problèmes de visage, des problèmes de boutons, problèmes de jas, si c'est trop foncé, le teint qui brille tout, je vous recommande d'utiliser plutôt le sérum sur le visage. Vous voyez un peu. Maintenant, ces produits, en fait, tous les 6 produits que j'ai cités contiennent au moins ces 4 produits. Le savon, le lait, le sérum et le tube. Les tubes, je ne les ai jamais utilisés sur le visage, sur le corps. Donc, j'ai horreur des tubes parce que les tubes sont plus foncé en fait. Ouais, non, ça donne, c'est trop fort, c'est trop fort. Comment choisir maintenant sa gamme? Je recommande au moins ces 3 produits. 3 produits à des personnes. Si tu as par exemple le teint noir, chocolat, tous ces autres, tu veux pas te décaper la peau, tu veux juste avoir un teint clair, qui est un teint bien foncé, chocolat, tous ces autres, je te conseille uniquement la gamme Puissance. Prends juste le lait, le sirop et le savon, tu restes tranquille, tu fais ton mélange. Tout comme vous avez appris dans le passé, et puis tu l'appliques sur ton corps sans problème. Maintenant, pour ceux qui veulent l'appliquer en journée, tu l'appliques en journée sachant que tu as une crème protectrice en fait. Tu vois un peu, il ne faudrait pas que quand tu fais ton truc là, le soleil vient te déranger. Tu vois, donc moi je recommande beaucoup plus aux gens de le faire en soirée. C'est vrai que les résultats seront tellement lents, mais c'est mieux que rien que d'avoir une peau abîmée et puis la réparer encore. Tu vois, à défaut de prendre par exemple les produits de Marseille pour réparer ton teint. Pour ceux qui sont clairs,
quand on fait le Njansan, tous ces autres, dans le passé, tous ces autres, je veux qu'on recommande, pour ceux qui ont fait d'abord fait le Njansan d'abord de 1, qui veulent maintenant récupérer le temps, je vous conseille la gamme Caviar. La gamme Caviar va donner juste de l'élasticité à ta peau, déjà une souplesse, elle va un peu corriger un peu les petits défauts qui sont sur ton corps. Tu vois, elle va pas t'éclaircir, déjà, non, non, non. Elle va juste les embellir, juste embellir tes taches là, non, tes taches Coca Fanta, elle va les embellir en leur donnant juste une teinte en fait uniforme, tu vois. Elle va t'éclaircir, elle va se maintenir une teinte chocolat bien foncée. C'est ce que la gamme Caviar va te faire, faire sur ta peau. Pour ceux qui sont bruns, qui ont les petites taches, tout ce autre sur le corps, si tu peux prendre la gamme Carotte, que je recommande d'ailleurs de 1 à tout le monde, la gamme Carotte, elle par contre, elle va un peu cicatriser un peu les taches brunes là, elle va un peu te protéger contre un peu le soleil pendant juste 30 minutes juste seulement, tu vois, après ça, tu vois, les taches là vont apparaître au niveau de tes seins, tu vois un peu dans les taches soleil vont apparaître là tout simplement. Donc pour ceux qui sont brunes, je vous recommande la gamme, pour ceux qui sont bruns de nature, qui font plonger ensemble, la gamme puissance. Maintenant pour ceux qui veulent faire le Njansan, machin, tout ce autre, je vous recommande la gamme royale. Vous voyez un peu, donc la gamme royale et la gamme carotte. Voilà les gammes que moi je vous recommande. Est-ce que la gamme Françoise Béton décape la peau? Archi faux, elle ne décape pas la peau. À moins que tu aies utilisé les produits de la contrefaçon, qui t'ont décapé la peau. Parce que les produits de Françoise Béton ne décapent pas la peau. Parce que ces produits coûtent tellement cher, elles ne décapent pas la peau. Et elles ont de très bonnes odeurs. Vraiment, pour ceux qui viendront dire que ça décape la peau, ça ne décape pas la peau. Il faut faire attention avec les. Là où vous achetez vos produits, en fait. Si tu achètes des produits dans un marché ordinaire, c'est normal que ça te décape la peau. Mais si tu les achètes en pharmacie, tout ce autre, c'est normal que les résultats sont hyper lents. Tu n'auras pas un temps bien clair en 14 jours. Non, au moins c'est en un mois que tu pourras avoir là des résultats. Parce qu'en 14 jours, c'est trop dit. Tu vois un peu. Donc, pour qu'un produit puisse bien marcher, il faut attendre au moins un mois pour avoir les résultats sur le produit. Voire un mois, voire deux mois. Tu vois un peu. Comment utiliser les produits sur le corps? Pour utiliser le produit sur le corps, en fait, comme je vous ai montré à la coutume, tu prends ton lait que tu divises en 4, tu prends ton sérum que tu divises en 2, tu prends une moitié de sérum et un quart de lait que tu vas mettre à l'intérieur, tu vas remuer et puis attendre au moins une semaine, voire 14 jours, voire 5 jours, ça dépend de toi. Soit immédiatement, tu peux l'appliquer sur ton corps, ça n'a pas de problème. Mais moi, de préférence, je laisse reposer même 2 à 3 jours comme ça, tu vois, et puis je l'applique sur le corps. C'est comme ça que je fais mes trucs. Maintenant, pour ne pas dire j'applique juste le laisse le corps, il faut aussi faire les gommages. Je te recommande de beaucoup faire les soins de gommage 2 fois la semaine ou bien une fois la semaine. Si c'est samedi, si c'est le samedi, fais-le chaque samedi à la même heure. Tu vois un peu. Donc voilà ce que moi je te conseille de faire. Et aussi pratique le sport, bois beaucoup d'eau pour que le lait puisse bien fonctionner en toi. Donc voilà un peu. Le conseil que moi je peux te donner, Cynthia, tu vois. Est-ce que Françoise Béton contient a des effets secondaires? Françoise Béton, pour ma part, en fait, elle a au moins 0,2% d'hydroquinone dans chaque produit. Je vous ai toujours dit que les produits en fait contiennent plus d'hydroquinone dans le lait et dans les tubes. Le sérum et le savon sont épargnés, ils ne contiennent pas trop d'hydroquinone. Je vous ai tout dit ça parce qu'ils ont remarqué qu'en fait, tous les gammes en fait, ont remarqué que les gens n'achètent plus une gamme complète. Ils achètent seulement le lait et ils restent tranquilles. Et avec le tube et le savon, ils vont se prendre un savon neutre, toutes ces autres. Puis aussi, la vie, ils auront des résultats. Donc, c'est pourquoi le lait contient beaucoup plus d'hydroquinone à l'intérieur, contrairement au sérum et au savon qui sont neutres. Donc, les effets secondaires, en fait, c'est uniquement si tu appliques en journée. Tu vois, si tu appliques en journée et qu'il y a tellement de soleil, alors là, tu vas avoir un peu les taches des seins rouges par là. Tu auras des coca fanta un peu, tu vois. Un peu. Si le soleil touche trop ta peau, en fait, c'est comme si tu auras une peau abîmée. Tu vois, donc moi, je recommande beaucoup plus aux gens d'utiliser le lait de Marseille ou bien le lait Jengas, le lait hydratant, qui sont vraiment hydratants là-dedans en journée. Et en soirée, tu peux faire comme tu veux. Tu peux prendre tes tubes, tu mélanges. Tu peux prendre même tous tes tubes que tu veux, tu mets. Il n'y aura pas de problème, tu vois. Maintenant, donc, les effets secondaires, c'est juste que tu pars, par exemple, au soleil, tous ces autres, tu auras les trucs là. Si tu ne mets pas, par exemple, une crème protectrice, tu auras les seins partout sur ton visage et sur ton corps, sur tes mains. J'espère que j'ai répondu à ta question, Cynthia. Donc, tu peux maintenant choisir entre celles-ci, le lait qui te correspond le mieux.
Comme je l'ai dit, la gamme puissance, en fait, je la recommande à tout un chacun. C'est une gamme qui ne décape pas la peau. C'est une gamme qui est là juste à t'éclaircir. Juste, si tu es noir, elle va cirer ton teint. Si tu es clair, elle va encore rayonner ton teint. Si tu es comment, elle va rayonner, mais elle va pas venir éclaircir les taches brunes de ta peau. Non. Les produits là, tu peux soit les mettre sur le visage ou soit les mettre seulement sur le corps. Pour le mettre sur le visage, il faut seulement mettre le sérum sur le visage et puis tu restes tranquille. Tu vois, donc voilà un peu. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout n'oublie pas de me dire en commentaire de ce que tu en penses en fait de ma vidéo. Et pour ceux qui viendront dire tu excites les gens à se décaper, je ne suis pas là pour dire aux gens de se décaper. Chacun est libre de faire comme il veut. Tu es libre de t'éclaircir de la peau, tu es libre d'utiliser les laits hydratants sur la peau. Donc pour dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait. Tu vois un peu. Ne venez pas mettre les dislikes parce que, en tout cas, les dislikes sont masqués. Mais d'abord, de 1, mettez-moi juste un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Puis, donne-moi ton avis à travers cette vidéo. Et puis, rendez-vous dans les commentaires. C'était Massatotok alias Gaël Beauty. Je suis de retour. Je suis de retour.